Salut gang! Je vous laisse le temps d'arriver. En même temps, je vais choisir mes papiers pour ma page. Je vous dis un beau bonjour. Dites-moi salut si vous vous connectez. Dites-moi un beau bonjour. J'ai déjà choisi mes affaires. C'était pas si pire. Salut Émilie, salut Nicole. Vous êtes encore. Salut Sonia. Vous êtes encore croche, mais écoute, hein, ça a l'air que ça vient comme avec la fille. donc, j'ai ça à faire tirer, vous vous rappelez, pour aujourd'hui. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à faire ma page. Je vous laisse le temps d'arriver encore un petit peu. Je me suis rendu compte que mon iPad était à terre, donc j'ai pas pu faire mon tour de la roulette comme d'habitude. Ça va être des petits coupons comme ça. Salut Karine! Salut Lucie! Salut Wendy! En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on fait une page mix media, me semble, c'est ça que j'ai dit. J'espère que vous êtes en forme en ce dimanche soir. J'ai dit que je remplaçais la voix, fait que bonne chance. On va vous faire des vocalises. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Je ne ferai pas de vocalises. Donc, je serai prête pour le tirage. Qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante? Ça va être une fille. Salut Caroline, salut Cynthia. Alors, j'ai fait tirer le prix et après ça, on s'amuse à faire une page ensemble. Qui est la gagnante? Alexandra Caron. Je vais communiquer avec toi, ma chère. Tu vas pouvoir avoir ton prix. Voilà, j'espère que tu as une cotte bug. Coucou, gang. Salut Sandra. C'est rare, Sandra me regarde. Je suis stressée. Alors, Alexandra, je vais te contacter en privé. Ça va me faire plaisir. Donc, voilà. J'ai eu une couple de demandes. Salut ma poule. Moi, j'ai eu une couple de demandes pour faire une page en fond foncé. Avec un fond foncé, ça se peut, je déparle. Hein? Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de mon charme. Fait que là, on va s'amuser avec les papiers Night Garden de Fabrica Decorus. Il me restait un papier velin de cette semaine. Je suis pas revenue dans mon atelier. Il manque de lumière un peu. J'ai oublié de lumière. Donc, c'est ça, on va s'amuser avec ces papiers-là. Salut, Diane! Mes chats et tous mes animaux, ils font un vacarme incroyable. Et j'avais les die-cut aussi qui allaient avec. Fait que peut-être que je vais m'amuser avec tout ça. On va regarder qu'est-ce que je prends comme fond, mais j'avais comme pensé prendre ça vu que c'est foncé. Oui, Alexandra, vous lui direz, ça l'arrive. Mon amie Audrey-Anne, à chaque fois, ça se dit qu'elle se connecte, mais elle m'écoute pas. C'est vraiment bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose pirate dans son Facebook, puis il aime bien le scrap. Salut Martine! Salut Lise! Donc, on voulait un fond foncé. Je vais peut-être y aller avec les fleurs aussi. Je veux juste regarder les papiers. C'est pas une couleur que je... Je scrape souvent du bleu marin. Je les ai pris, ces papiers-là, l'autre fois, hein? Je les ai-tu pris? Il semble que oui. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Vous rappelez-vous? En tout cas, c'est... Salut, Caro, c'est Night Garden de Fabrica Décoré. Bon. Je l'ai pris, mais je sais pas pourquoi, mais mon papier de fond va être celui-là. Vous voulez un papier foncé à motif? Ben, on va y aller là-dedans. Salut, Karine! Je l'ai pris, mais pourquoi? Je me souviens plus. C'est pas grave, hein? Je ferai pas la même affaire. Je ne ferai point la même affaire. Donc, je vais être correct. Faut juste que je me replace dans mon bordel en arrière. Donc, pour vrai, là, je me rappelle pas ce que j'ai fait avec. C'est pas une page, me semble que c'est pas une page. Salut Joël, salut Stéphanie. En tout cas, bon, bref, c'est pas grave. Je mets ça de côté. On va me choisir une petite photo qui fait avec du bleu et du vert. Sinon, comment était veut 10 fois une page? Il veut 10 fois.
Ben, 10 fois, qu'est-ce qu'il veut 10 fois? En tout cas, bon, c'est pas grave. À cause, j'ai dit bonjour. Ben, ça va me faire plaisir de dire bonjour. Ah, 10 chats! Oups! Ah, je vous l'ai dit, hein? Finalement, je n'ai acheté 4. Chut! Tu te l'es pas. Bon. Non. Non, non, non. Je suis en train de regarder mes photos pendant que vous commentez. J'en ai un petit peu, hein? Oui, une page que j'avais faite avec ça. Ah, oh, ben, Colin, ça vous dérange-tu que je reprenne les mêmes papiers ou vu que je change de papier? Parce que j'avais une demande de prendre des papiers foncés. Fait que là, je voulais prendre quelque chose de foncé, mais si vous voulez que je change, ça va me faire plaisir. Je veux pas vous insulter. Ça aurait été beau. J'ai faim. Ça paraît-tu? Je vais le mettre de côté. Mais sinon, je... Comme je disais, ce n'est pas un papier, une couleur de papier que j'utilise. Il y a peut-être ça qui ferait beau, mais non. Ça ferait bizarre. C'est une fille qui fait du yoga. Souvent, dans les bleus, hein, c'est plus compliqué. Ah, ça vous dérange pas, Kefiu? Parce que je me rappelle plus que j'ai fait une page, puis elle n'est pas proche. Bon, et juste le temps de choisir ma photo. Vous avez le temps d'arriver ou de vous tanner. Non, ça, c'est noir. Ça, c'est un défi de l'Imstron. Hey, je me suis inscrite, hein, by the way. C'est parfait, fio! Puis là, vous êtes de côté, en plus. Peut-être, j'essaie de le faire, parce que c'est un papier qui a des fleurs, hein, fait que... C'est pas tout le temps évident de fitter un papier foncé. Peut-être, non. C'est plus bleu marin. Peut-être ça. En tout cas, j'en ai 3. Jamais je croirais que je pourrais pas trouver là-dedans. Tu m'imprimes tes photos avec quelle imprimante? Ah, oh ouais, en fait, c'est des photos Pinterest. Salut Audrey. Un coucher de soleil à côté de moi. Ouais, mais il n'a pas. Il n'a pas de coucher de soleil. Mais lui, il fit là, il me semble, en tout cas. Ça, ça fit. Ça, ça, pis ça. Fait que bon, c'est correct. J'ai choisi, sinon ça va être long. On va perdre notre vie. Notre vie ici. Fait que là, c'est sûr que quand on a un papier foncé, on va aller se mixer d'autres papiers au Limstron. Au tournoi Limstron. Merci, les filles. Vous répondez super vite parce que vous avez compris que. Hey, c'était vraiment une page que j'avais faite. Je suis comme mal à l'aise de reprendre les mêmes papiers. Mais c'est pas grave. On va. J'ai mis aux pages-là que j'aille voir ce que j'avais fait pour faire la même affaire. J'ai trouvé. Voilà, j'avais fait cette page-là, donc c'est sûr que ça y ressemblera pas. Allô? Je t'ai rendu loin, hein? Ouais. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'en ayant un fond foncé, ça y ressemblera pas certain, puis j'ai pas pris des chevaux, fait que là, je me sens mieux. Désolée, je filais bad, c'est quand j'avais fait le fond en aquarelle. Je me rappelais plus que j'avais pris ces papiers-là. Bon. Phew! Je file mieux, je peux prendre une gorgée de café, puis là, je vais m'amuser. Donc, ce que je disais... Quand on a un fond foncé, on va essayer d'atténuer puis de faire des stencils puis de la pâte à texturer. C'est toujours plaisant de pouvoir se faire un fond. Puis après ça, je vais m'amuser avec les papiers comme je fais souvent. Salut Joanne! Donc, quelque chose de couvrant. Mais... vu que c'est déjà un motif, faut pas trop non plus capoter. Ouais. J'hésite entre ces deux-là. Donc, voilà, fait que je file mieux. Je commençais à battre. Je veux pas que vous regardiez des lives en disant « Hey, elle fait toujours la même affaire. » Mais en fait, oui, je coupe souvent mes papiers.
Puis je mets beaucoup de gouttelettes, mais je fais pas tout le temps la même affaire. Quand même, je prends la pâte à texturer blanche pour aujourd'hui. Puis là, sont où mes photos? Hein, sérieux, j'ai déjà commencé à être mêlée. Je pense que ça va être celui-là que je vais utiliser, mais sinon, elle regarde par là, fait que je peux y aller de ce sens-là. Donc, avez-vous hâte à demain? Demain, monsieur Legault va expliquer son plan des écoles pour ceux qui travaillent dans les écoles ou dans les garderies. Ça va être quand même plaisant de voir comment ça fonctionne dans sa tête. Donc, je l'ai viré de bord parce que je vais faire un effet de miroir. De miroir. Avez-vous hâte? Puis, j'en mets un là. Comme vous avez pu voir, j'étais en improvisation. Je ne savais pas ce que j'allais faire avant ce soir. Je vais porter ça dans mon lavabo. Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver. Voir qu'est-ce qu'on fait. Je mets ça 2 secondes et quart. Le temps que je sèche, vous n'allez pas trop entendre mon lavabo que j'avais oublié de partir. Oups! Oui, moi j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver. J'étais pas centrée, vous me l'avez pas dit. Donc, je voulais faire des kits, puis j'ai pas eu le temps. En fin de semaine, j'ai travaillé sur mon autre business. Désolée. J'ai hâte de savoir aussi, mais pas tant que ça reprend. Qu'il y aurait un cas testé une deuxième fois positif au COVID. Ah, ouais. Oups. Ouais, des faux tests. Écoutez, moi, je suis allée faire les tests parce que je filais pas, puis là, j'ai encore un petit mal de gorge. Fait que c'est sûr que je travaille dans les services d'urgence. Fait que j'espère que j'ai pas ça, moi non plus. Oui, le stencil, il est vraiment écœurant, mais tout est écœurant chez Fabrica. Voilà, désolée pour le bruit du lavabo et du séchoir. Donc, c'est tout sec. On va y aller avec l'autre stencil. Ouais. Fait que là, maintenant, je me prends un café en début de live. Fait que vous êtes dans la boîte. Mais c'est pour votre bonheur. Voyons, il est collé. Ils sont neufs, hein? Ouais. Fait que là, je vais y aller un peu plus mélanger. Je prends encore la même pâte à... Salut, Vicky! Je prends encore la même pâte à texturer, puis je veux juste créer un effet de fondu avec les motifs. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est ça qu'on veut pour enlever un peu de taches foncées. Mon chat chum en arrière. Voilà. Encore une fois, je vais aller porter mon stencil. À votre bonheur, ben, j'essaye. Salut Julie. J'essaie de penser à votre bonheur. Mes chats, ils foutent le Bagdad en arrière parce que. Mes 3 Bengales, dont mes 2 petites femmes enceintes, ils passent leur vie en bas dans mon atelier. Puis là, quand j'arrive, j'ai tout le temps des belles surprises. Ah oui, le bonheur, c'était le lavabo. Hey, quoi, tu que je me rappelle même plus de ça. Déjà, ça fait moins pire, hein, parce que ça jure beaucoup, hein, des grosses affaires derrière.
On a-tu le goût de mettre des chips board? Que j'ai le goût. On exclut la personne qui parle. J'ai-tu le goût? Je vais fouiller dans mes chips board pendant que vous êtes là. C'est un coucher de soleil, hein? Si on met trop de fleurs, ça fait bizarre. Peut-être celle-là. Non. Comme mes chiens pensent à vous, ils font du bruit en haut. Peut-être celle-là aussi. Hey, ça va les chiens en haut? Peut-être celle-là, en tout cas. J'ai mis pas loin. Faut pas dire que j'improvise pas, hein. Salut Louise! Non, j'ai pas mis de gesso avant. Souvent, j'en mets pas. Parce que quand j'en mets, je mets tout le temps un carton en arrière. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça, le fait du carton. Puis, souvent, je vais mettre des gouttelettes, fait que c'est pas si pire. Mais ça gondole déjà un petit peu. Puis, regardez, c'est même pas fini d'être sec. Je vais leur sécher un petit peu. Hey, c'est pas trop pire, les chiens. Je vous le demande à chaque fois, mais là, ils sont. On dirait qu'à 7h30, là, c'est leur moment de jeu. Donc. Fait qu'un magnifique coucher de soleil, trois choses. Bon, on voit pas de soleil, là. C'est un coucher de nuages. C'est bon, ça. Ça fit en plus. Bon. Là, j'avais des trucs de couper de la dernière fois. Mais peut-être que j'irai avec d'autres. Celle-là, je l'aime bien. Il fit avec le petit verre qu'il y a là. Celle-là aussi. Puis le petit bleu aussi. Mais je vais regarder si j'ai pas d'autres papiers que je voudrais couper pour pas vous refiler les mêmes trucs. Mais ça vous montre aussi que. Oh boy, c'est pas sûr. Ça vous montre que, tu sais, quand je coupe mes papiers, ben, je les réutilise quand même souvent. Peut-être celle-là, mais j'aime pas le tirier, Timauve. Elle, Timauve. Salut Sylvie! Bon. Celle-là, on l'a déjà pris. Celle-là, je l'aime moins. Donc, dans le papier double, hein, ils ont mis la même affaire. Lui, je l'aime bien aussi. Fait que je vais couper lui. Puis le reste, ça va aller de côté. Bon, je vais arrêter de m'excuser pour mes chiens, mais ils m'énervent. Fait que désolé. Salut Sarah! Salut Sophie! Je coupe pas de rette. C'est sûr, je trouve que c'est croche, tu sais. Ça veut dire. J'ai assez hâte, là, après le live, moi, je vais souper. Avez-vous souper? Qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? Ça ressemblait à quoi, votre souper? Moi, ça va être de la bavette. Avec du riz de chou-fleur et des légumes. Ça va être excellent, hein? J'ai hâte. Poulet frit. Ça serait bon, mais je fais super attention. Fait que non, pas de poulet frit. Ça aurait été bon, par exemple. J'aime bien manger. Voilà, là, je suis en train de faire mon tapon de papier comme à chaque fois. Des BLT, ça aussi. Bon, ben Vicky qui mange brochette barbecue, c'est une bonne idée. Poulet frit, pain de viande et salade. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. J'ai-tu le goût de plus de fleurs? On dirait que... Ou peut-être celle-là. Bon, je suis pas rendue là. Bon.
te dis, grilled cheese, bacon. AW, ça aurait été bon. Moi, vous me donnez faim. Des grosses coquillettes italiennes, salade saison. Bon, les filles, je vous lis tout ça. Rose beef, pommes de terre et choux de Bruxelles rôti au four. Ah, ça, c'est ma vie, hein. Je mangerais des choux de Bruxelles tout le temps, moi. Pas bouillis, par exemple. Mais rôti, là, oh my God, que c'est bon. Ah, peut-être qu'on pourrait se faire des asperges. On va le demander à mon chum. Il m'écoute des fois, mais là, je pense qu'il m'écoute pas. Bon, bref, fait qu'après le live, je vais manger. Fait que je vais essayer de me dépêcher à faire un live. Ben non, j'ai le temps. J'ai le temps en masse de manger. Après, j'ai dîné super tard. Fait que là, je mange à l'heure des riches. Ah, une riche, richissime. Celle-là, je peux la couper. Puis, l'affaire de bol. Bon. Ouais. Fait que là... Je vais faire la même affaire que d'habitude. Je vais brocher ça. C'est fait. Puis coller les petits bouts. Je suis toujours pas tombée dans ma nouvelle colle. Fait que ça, je risque de pogner une heure dans ma vieille colle à soir. Puis, vous allez rire encore. Bon, j'ai dit que j'allais chanter vu que c'était la voix. Qu'est-ce que vous voulez que je chante comme chanson? Je suis prête, là. Je suis prête. Faites vos demandes spéciales. Avez-vous vu comment j'ai triché? Vu que mon papier était pas assez grand. Une vraie tricheuse. Qu'est-ce que je chante? Ouais, il n'y a pas grande demande, fait que ça veut dire que c'est un bon goût que je chante. Vous êtes plate? En tout cas, moi qui pensais que j'avais un public de chanteurs. Là, je suis en train de regarder ce que je pourrais ajouter comme petite affaire. Je prends tout le temps ceux-là qui sont écrits en russe parce que je les utiliserai pas pour les tags. J'en ai deux intéressants ici. Et c'est pas fini! Non, ça c'est Star Academy. T'es mélangée, Joanne! Hein, moi, je m'ennuie de la voix. C'est rien qu'un... Bon, je l'ai dans la tête. Sinon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ton... répertoire de d'habitude. Bon, pas mal juste des niaiseries. J'écoute la musique, mais ce qui joue à la radio, là, je suis pas... J'ai pas un style en particulier qu'il faut absolument que j'écoute. Sérieux? Cassiopée, là, est en train de se battre avec plein d'affaires en arrière. Il est où le printemps? Il est où? C'est bon, ça? J'adore les Beatles. Oh boy. My English is not always good. Vicky, tu me traduiras les paroles. Vicky, elle va être mon prof d'anglais en échange de chat. J'ai un autre ami aussi qui veut chante-la ta chanson, la dame en bleu. Hey, mon oncle chante tout le temps ça. Ouais, en échange de... J'ai un autre ami, c'est en échange de photos. Hein? Je dis-tu oui, moi, à ça? Yes! Ça va te coûter cher, Vicky, d'essayer de m'apprendre l'anglais. Là, je suis en train de me faire des petits tags. Est-ce que je vais ajouter ça? Voilà. J'avais déjà des cordes coupées. Tu vois comment j'ai de l'air préparé. Donnez-moi des roses! Hey, c'est la toune du fils à ma soeur. Ben, en fils, mon neveu. Il chante ça pour rire tout le temps. C'est drôle, ça. J'aime ça, votre répertoire, mais je chanterai pas, là, parce que vous allez quitter. Je veux pas que vous quittiez, là. J'ai du fun, moi, avec vous, ben, à parler tout seul, là. Bon. Heureusement. Bon, voilà. Fait que je cancelle celle-là. Je suis dans lui.
C'est vrai aussi, je voulais peut-être regarder. Je me suis commandé les die-cuts de Scrap Fimo. Puis, ça serait peut-être mixable. Pas les jaunes. Les plumes. Peut-être un papillon. Je vais les mettre de côté avec les die-cuts. Des fois, hein, de mixer plusieurs compagnies, c'est le fun. J'avais ça et ça qui peuvent être plaisantes. Attendez, je vais fouiner dans mes embellissements. Tant qu'à en avoir plein, j'ai acheté plein, moi, chez Scrap Fimo. J'ai acheté les citrons. Là, il me manque juste... Ça, c'est beau. Et sérieux, entendez-vous que Cassiopée est en train de défaire mes sacs qui traînent? Ouais. Fait que là, il me manque juste les affaires du tournoi les citrons à acheter. Que j'ai hâte. Puis, j'ai-tu des petits tags Scrap Fimo qui fitteraient? Oui, puis non, oui, puis non. Vous autres, c'est lequel votre... Y a peut-être des propriétaires de compagnie. Si les Mistrans, dites-les pas. Lequel votre compagnie québécoise préférée? S'ils sont là, vous pouvez dire toutes ces réponses. C'est ça ma prochaine question. C'est quoi votre compagnie québécoise préférée? Moi, le monde le savent. C'est laquelle? Je suis vendue depuis des années. Ah, oh, peut-être ceux-là. Moi, c'est commandé. J'attends Yannick pour aller les chercher. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Non, j'ai pas commandé les trucs du tournoi. En fait, quand j'ai commandé, ben, je l'ai-tu montré ma nouvelle commande, mais j'ai oublié. Ou il était pas sorti, je crois. Fait que. Tu sais, c'était ça que j'avais acheté. D'après moi, ça pis ça, on va pouvoir l'utiliser dans le tournoi parce que dans les chipboards, il y a de quoi qui ressemble à ça. Ouais, bon, là, c'est assez, là. J'étais en train de vous faire toute l'étendue de mes cochonneries qui traînent partout. Bon. Pensez-vous qu'on va trouver quelque chose là-dedans? Je pense que oui. Bon, chipboard. Salut, Viviane. Les deux miss. Super, ça, oui, elle fait des beaux chipboards, hein, Diane. Sont beaux. J'aime bien la qualité. J'en ai juste un, moi, mais parce que chacune de mes compagnies avait des chipboards d'été. Fait que là, j'ai des chipboards de toutes parts, sauf les deux miss. J'en ai un. Voilà. Vous vous rappelez que moi, je jette pas ça, hein, parce que c'est super important de se faire des trucs 3D pour le découper. Ça, c'est un de cette semaine. Là. Moi, je les découpe et j'utilise ça pour mettre du 3D derrière mes photos. Fait qu'en tout cas, jetez pas ça. J'ai même gardé mes trucs de bois. Des fois, on a besoin que ça soit plus solide. Je les découpe, là. Puis, c'est ça. Je mets ça là-dedans. Bon, ciseaux partis. Voilà. Entendez-vous, mon petit mâle? Pauvre petit cœur d'amour, il s'ennuie parce que d'habitude, ils sont deux mâles ensemble. Puis là, j'ai un mâle en accouplement encore. Fait que là, il s'ennuie beaucoup. Voilà, hein, j'étais concentrée l'espace de 2 minutes. Ça va être parfait comme ça. Mais là, je suis en train de me demander si je... Je le découpe pas. Je vais coller ça. Sinon, je vais-tu trop vite? Pas assez vite? Êtes-vous tanné de m'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Sonny. Mais là, Sonny, il y a eu deux femelles back-à-back. Fait qu'il peut bien se calmer le pompon. Ah, oh, ce serait peut-être beau de même. On aime-tu mieux Kraft? Non, on aime mieux Blanc. Merci. Salut, Brigitte! Ouais, Son, il fait pas pitié. Mais là, Dexter, il... Lui non plus, il va pas faire pitié. Mais là, je devais mettre une autre femelle en accouplement, mais je vais me calmer le nerf parce que... Ce que je ne savais pas, et que souvent on voit ça
tu sais, dans les élevages, que toutes les, il y a une chambre pour accoupler, pour accoucher, toutes les femelles sont là. Mais les femelles peuvent être très territoriales et s'entretuer, dans le fond, puis entretuer leur bébé. Fait que là, je vais être obligée de les faire accoucher dans trois pièces différentes. Donc voilà, bon dimanche, Brigitte. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je vais me calmer. J'en ai trois enceintes. Mais enceinte, il y en a une que je ne sais pas encore. Là, je vais vouloir que je vérifie quand elle sort, mais elle est encore en accouplement, encore deux jours. Mais pour le reste, les deux, ça semble être enceinte, les pitounes. Fait que là, vu que j'ai tout ça à faire, je pense que ça va être assez. Ce motif-là, je l'aime bien, moi, cette truc. Mais là, je vais le couper. C'est pour ça que j'attends. Puis là, après ça, je vais m'amuser avec le reste. Pauvre petit chat qui a chaud. Je veux juste ça. J'attendais juste que ce soit... Attends, je vais raide, hein, mais ça se peut bien que j'aille leur mettre là, comme ça. Ça serait parfait avec une photo ici. Moon aussi, j'aime ça, ce motif. Oui, le motif est beau. Moon aussi est belle. Ouais, je pense que Moon est, oui, est enceinte. Elle a grossi. Puis, elle va bien. Fait que là, je vais me mettre des trucs, mais je vais le mettre en bois, en dessous. Comme je disais, j'aime bien que ça soit un petit peu plus surélevé. Fait que oui, Moon est enceinte, Vicky. Ça va être le party ici. Ça n'aura pas de sens. Ouais. Fait que là, il va y avoir des petits bébés Bengales, des petits bébés Maine Coon. Ça va aller bien si je branche mon fer. Je vais coller avec la colle en attendant parce qu'il est pas chaud. Ouais, mais là, moi, ce serait le fun de se réveiller puis de dire « OK, c'est fini! » Surtout que là, moi, j'ai tous mes clients de massothérapie qui m'écrivent à tour de rôle. J'ai mal partout, c'est quand tu rouvres, j'ai mal partout. J'ai pas le choix d'être fermée parce que sinon, même si... En tout cas, j'ai hâte de voir là, ce qu'il va nous dire. Parce qu'il y a beaucoup de massothérapeutes qui ont hâte de recommencer. Puis on va avoir des formations au niveau de... au niveau de ce qui est, tu sais, les mesures d'hygiène et tout ça. Est-ce qu'on va demander aux clients... Fait que, tu sais, ça va être super important que je fasse attention, mais j'ai vraiment hâte de prendre soin des gens. Parce que, je sais pas, mon chum, je pensais qu'il me parlait, mais non. Des fois, il parle tout seul, hein. Il sort avec moi, c'est pas pour rien. Il fait la même affaire que moi. Bon. Fait que là, j'ai l'impression d'être un ébéniste. Pas parce que je joue avec le bois. Ah, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris un café. Bon. Fait que voilà, ça va être comme ça. Ça tient pas vite tout de suite, hein, Michael. Calmez-vous, la madame. Calmez-vous. Là, j'ai hâte de voir. Oui, moi, je m'ennuie de vous autres. Mais je vous ai là, mais je m'ennuie, tu sais, de... C'est sûr que je travaille pareil, moi. Fait que je vois du social, là. Je vois des gens. Mais tu sais, tous ceux qui sont seuls, là... C'est quelque chose, je trouve, pour eux. Ma mère est venue me voir aujourd'hui dans mon parking. Elle n'a pas le droit. Je sais qu'elle n'a pas le droit, mais il fallait qu'elle aille porter quelque chose chez ma soeur, pas loin. Parce qu'on habite ma soeur au Lac-Beauport, puis moi à Sainte-Brigitte. Puis là, tu sais, c'est drôle de voir, tu vois ta maman, mais tu peux pas la serrer dans tes bras, puis tu peux pas lui donner de câlin. Moi, je suis vraiment une petite fille à maman, en plus, fait que... Je me demande si je vais là ou là. Je vais les coller après. Mais bon. Fait que là, on est prêt à coller. Puis après ça, on met les embellissements. Puis je rajouterai des autres affaires. Hein? Coudon, espèce de fer qui chauffe pas vite. Ça va être de la colle, d'accord? C'est que la colle, là, je pogne les nerfs.
Je pogne mes nerfs. Fait que là, y en a-tu dans la gang qui sont là, qui ont des chums qui game? Durant le confinement. Mon chum, là, il a jamais gamé autant que ça. Oui, c'est pas évident. Mais là, Martine, toi, t'as un petit bébé, chat. Moi, je la vois par la fenêtre. Ah oui, ça, c'est plus dur aussi. C'est plus dur. Bon, voilà. Ça, c'est placé ici. On va coller ça de cette façon-là. Je vais venir placer ceci. Tiens. Je vais y mettre un petit peu de colle. Je peux en mettre partout, mais ça ne collera pas de partout. Le mien, non, moi, il game. Un vrai ado branché. Fait que si vous l'entendez crier, là, en arrière, là, c'est que c'est fait battre à Call of Duty. C'est là, un vrai ado. L'entendez-vous? Moi, je l'entends. Ben, moi, toi, j'avoue. Cynthia, t'as un chum aussi qui game ou ton fils? Ouais. Moi, je dors plus le matin, mais là, c'est sûr que je travaillais la semaine passée le matin. Là, cette semaine, je travaille au foyer puis je travaille de soir. Fait que je fais la petite oiseau de nuit. Ça, ça l'arrive souvent. Voilà. Là, je vais pouvoir me mettre des trucs à l'intérieur. Je savais juste pas où j'allais mettre mon 3D. T'en as 5 chez vous qui gagnent, c'est vrai. Hein? Oh, Seigneur. Mais tu sais, en même temps, ils ont juste ça à faire. Mon chum, il a refait l'entrée en interbloc. Tu sais, il fait plein d'affaires pareilles, là. C'est juste qu'il gagne beaucoup plus. Puis il doit dire, comment ça qu'elle parle de moi encore? C'est bon signe si je parle de lui. Hein, au lieu de dire qu'il m'énerve. Je pense que oui. Les deux. Ah, ouais. Hein? Après le télétravail, ça game. C'est ça. Mon chum, il ne recommence pas cette semaine, mais peut-être. Là, pour l'instant, il ne recommençait pas tout de suite. Fait que là, il a le temps de gamer en masse. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est un vrai ado. Qui se rend pas compte de ce qui se passe autour pendant qu'il game. T'as plus cette quelle base ça allait. Pendant que je vous jasais. Tiens. Fait que ça, ça va être comme ça, mais ceux-là, j'ai pas choisi où j'ai metté. Fait que là, j'ai pas trop parlé de ce que je faisais, mais me suivez-vous, ça va-tu pas pire? J'ai mis-tu de ce bord-là ou j'ai mis de ce bord-là? Je pense que j'ai le goût d'y mettre de ce bord-là. Puis là, c'est quasiment du gaspille. Qu'on le voit pas. Tadam! Comme si j'avais fait ça. Ouais. Oui, ma colle est chaude, je l'utilise depuis tantôt. Tu l'avais pas vu, Sylvie? Oui, 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 ma colle est chaude. Ouais, fait que là, on dirait que j'ai jamais fait ça. Tiens, si on fait semblant que je suis une petite nouvelle. En scrap, ça marche-tu, ça? Je vais-tu trop vite pour celles qui... Sûrement pas, hein, j'ai le temps. Ancien. Ça fait... Oui, hein? À cause du... comment on appelle ça? Un cadre? Ça aurait fait de beau avec celle-là aussi.
Vu que ça fait ancien. Bon, je suis en train de changer d'idée. Oups. Non, ça fait plus beau que... Bon. Arrêtez. Arrêtez. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies québécoises à part les Mistral, les deux Miss? Ben, il y avait Scrap... Il y a Scrap Fimo qui font plein de trucs. Il y avait Scrap Accent qui a terminé. Cuts to Love aussi fermé. Scrapbook Tendance font des... Ils font ça encore des choses? Je sais plus. Quelle compagnie aussi? Ah, moi, je broche l'envie. Allô, Isabelle! Quelle autre compagnie qu'il y a? Il y en a-tu qui vont plus vite que moi là-dedans? J'ai peur d'en oublier une. Il y avait MC Collection qui a fermé aussi. Effectivement, le marché québécois a de l'air plus dur ces temps-ci. Voilà. Tout que... Ça colle. Est-ce que je rajoute des fleurs? Salut Caroline Beaulieu! Ouais, c'est ça. Je pense que ça ressemble à ça, les compagnies québécoises. Oh non, il y a aussi... Elle fait des mots, là. Voyons. J'ai me mélange de noms, mais Simple à Soin, mais ils ont fermé. Non, Simple à Soin, ils sont encore là. Flore, les délires de... Oui, créatif de Cynthia, c'est vrai. Après ça, il y a aussi... Art du scrapbooking, là, il n'y avait pas... il n'y a pas quelque chose qui faisait, Joël, là, qui faisait des petits mots. Ils sont encore là. Simple à Soin. Puis il y a aussi celle qui fait des mots, là, qui... Hey, sérieux. Edith Cloutier. Il y a ça aussi. J'essaie de voir qu'est-ce qui se fait. Il y avait tout ça. Bon. 1, 2, 3, scrap. Merci, Joël. Ça existe encore, ça? Edith Cloutier. Ouais, c'est bon. Ça a été là avant que ça starte. Hein, mon... Merci de m'aider parce que des fois, je perds mes mots. Sinon, il y avait 1, 2, 3, scrap. Ça marchait encore. Il me semble que j'en vois moins. Après ça... Scrapbook Accent, c'est... Non. Je l'avais dit tantôt, Simple à Souhait. Ça existe encore aussi? Je pense que oui. En tout cas. On a une couple de compagnies québécoises. C'était pour qui, ça, la question? C'est pour Nicole, hein, je pense? Bon, ça, là, c'est la joie d'un chipboard mince, mince, mince. C'est tellement le fun à enlever. J'ai tant peur de le briser. Ils ne sont plus en... Ils ne sortent plus de nouveautés, mais Sylvie a encore, je crois. OK, merci, parce que c'est ça, peut-être qu'elle a ralenti la cadence. Aïe, aïe, je viens de me péter le pouce. Quoi? Ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux. Je suis cascadeuse. C'est toi, hein? C'était Nicole. Hey, je suis à soir! Seigneur, mon café a fait effet. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'il faut encourager nos compagnies. Scrapbook Tendance en fait moins aussi. Elle en faisait un peu plus à un moment donné. Ça se peut que je le mette pas. Pas sûr que j'aime ça. Si je le mets, ça va être à part. Fait que je le mets de côté. Bon. Ben, j'y vais. Salut, Julie! Julie, vu que toutes ceux qui viennent d'arriver, là, dites-nous ce que vous avez mangé pour souper. J'ai assez faim, mais ça me donne des idées. Oh. Il y a un ange qui passe. Je trouvais ça trop gros. Le truc, mais si je le coupe, mais je trouve ça plate pour la compagnie. Voyons. Attendez, mon chat est en train de virer fou. Hey, descends un peu.
hein? Pauvre petite, vous avez les bruits de fond en arrière? Elle va-t-elle être malade? Je pense que oui! Bon, hein, c'est ça un chat. C'est malade des fois. Désolée pour le bruit. Ça, je les aime bien. Je file pas cœur. Cœur de rocker. Piment farci, salade grecque. J'ai faim, hein, je vous le dis. Je vous demande des petites affaires parce que ça me donne l'impression que je mange dessus. Oh, peut-être si je le mettrais. Faire un effet différent. Mais je vais le mettre en dessous. C'est juste que. C'est trop, on dirait, le rond. Puis je veux pas le défaire puis le briser. Voilà. Bon. Fait que là, je vais m'amuser dans les die-cuts, dans les embellissements. Après ça, on va mettre de la petite couleur. Tantôt, vous me demandiez si j'ai mis du gesso. Pour moi, c'est pas nécessaire, le gesso. Parce que je mets ça en gouttelette, puis souvent, ça fonctionne bien. J'aime moins... tu sais, le puncher des fleurs. Quoi? Ça se peut que je prenne pas beaucoup de ces die-cut-là. Ouais. Fait que là, pour mes soirs de live, je pense que ça serait mardi mon prochain. Est-ce que vous êtes disponible? Je mets ça de côté. Ah ouais? Tu m'en as pas préparé, Caro. T'es allée à Pourvoirie, c'est ouvert. C'est donc le fun où t'as pêché ça une autre fois, puis c'était dans ton congélateur, puis ça doit pas être ouvert. Peut-être. Elles sont magnifiques, hein, les die-cut. Ouais, ben, je suis en amour avec les die-cut. Caro, t'as pris ça où, ta truite? Dans ton congélo ou... Bon, ceux-là, fit, je mettrai pas tout ça de papillon. Moi, ouais, je les aime vraiment, vraiment, les die-cut. Celui-là, il fait de plus. Disponible lundi? Non, il faudrait que je vous dise les mêmes dates. ouais, mardi, jeudi, puis en fin de semaine prochaine, ben, à moins que ça soit le matin, parce que je travaille. Mais je pense que je travaille tôt, fait que ça va peut-être être difficile, là. Sont vraiment belles, les die-cut. En tout cas, si vous avez la chance, là, achetez-en. Bon, amusons-nous là-dedans. Donc, puis qu'est-ce que je mets comme titre? Ça se peut bien que ce soit un titre. Moi, j'en veux des die-cut papillons. Ben, c'est Scrap Fimo. Scrap Fimo! Ils sont vraiment malades. J'en ai d'autres aussi de Fabrica. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas sorti. Ah, je vous les ai montrés l'autre fois. Il y a ça aussi. Excusez, j'étais loin d'un bafon. Mais ça, on peut commander ça chez Fabrica. Puis il y a plein de papillons. C'est sûr qu'ils ne sont pas déjà coupés, là. Mais... C'est ça. Ça peut être très pareil. Pêche sur glace, une réserve pour un bout, puis on s'amuse à la pêche. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. Voilà. J'ai déjà trouvé mon titre. Magnifique de lime citron.
Ça va être là, mais je le colle pas tout de suite. Fait que moi, je mélange tout, hein, vous le savez. C'est toujours le fun quand on mélange les trucs. Ça va être lui. Ah, oh, je te dis. Bon, mais une crème, ça va bien. C'est toutes des couleurs que j'utilise pas d'habitude, hein. Fait que, je peux pas dire que je me force pas à soir. C'est toute qu'une histoire, mon affaire. J'essaie de camoufler le fait que il n'y a rien. Ben, tiens, toi. Fait que là, vous me direz c'est qui a gagné la voix. Oh, que je dis n'importe quoi dans une journée. Vous me direz c'est qui est en finale. Son, il veut apparaître dans la finale. Ça va bien, hein? Ça va bien coller des die-cuts. C'est assez le fun de faire une page avec ça. Là, mon titre, je vais le coller avec de la colle, par exemple. Oups. Dites-moi donc, il est quelle heure? On dirait que j'ai retrouvé de la vitesse dans les lives. Je vous fais ça plus vite que d'hab, hein? C'est ça. Quand on recommence, on retombe dans ses pantoufles. Je pensais que mon chum me répondait. Non, il parle à son jeu vidéo. En tout cas, c'est comme s'il y avait des amis imaginaires tout le temps. Oh! J'aime-tu ça, là? Bon, il est fâché. Avez-vous entendu? 22 heures. Ah, c'est bon. Ça fait même pas une heure. Vous avez le temps encore d'être avec moi. Ah, la vie est belle. J'ai-tu le goût? C'est plus beau blanc ou brun? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça. Blanc ou brun, c'était ce petit... chipboard là. Blanc ou brun? Je vous attends. Là, je bouge pas. Ben, je pourrais bouger, là, mais. J'ai pas besoin. Blanc? Vous aimez mieux ça dans le blanc? OK. Peut-être, ouais. C'est comme c'est bleu, mais on va essayer de trouver une solution. Cassiopée, elle veut venir vous dire bonjour à chaque fois. Hein. Cassiopée, là, j'ai pas moyen de m'asseoir devant mon ordi qui est là. Ben ouais, parce que j'ai décidé que c'était blanc, je pense. Blanc, étonnamment. Hein, Julie! Je vais mourir! Julie a choisi blanc au lieu de brun. C'est spécial, c'est spécial. Bon, je pense que j'aime mieux blanc, moi aussi. Je vais trouver où je mets ça. Là, ça fait trop bise. Il y en a trop. Oui, Cassiopée, la guidoune. Cassiopée. Non, ça fait de plus, là. Bon, ça va aller là. Puis ici, ça a été un petit peu pire. Je pense. Ouais, Cassiopée, hein? Celles qui suivent ma page de leggings, ben, je peux pas mettre mes leggings du jour en photo sans qu'elle est là. Fait que c'est ça.
Oui, belle. Et belle, mais tu sais, le dicton qui dit belle dit fatigante, tannante, ben. La merveilleuse Cassiopée est fatigante! Mais on l'aime demain. Elle va sûrement être calme quand on va avoir eu nos bébés. Deux. Ouais, ils sont bien beaux, hein, mais. Je suis pas sûre que je les aime, ces die-cuts-là. Sur le côté, là, ouais. Mais le temps que vous répondiez, j'ai déjà collé. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Oh, comme ça, c'est peut-être pas si pire. Ah! Trouvé. Je vais pas trop en mettre. Des fleurs bleues sur le côté. Ah, le papillon bleu? Ouais. Ça se peut, j'en mette pas. Ça se peut que j'essaie de m'amuser avec l'autre bout. Puisque le papillon, j'aimais moins ça. J'aimais moins ça, mais le bleu, il est beau. Mais comme caché. Bon, vous trouvez ça où est-ce qu'on va mettre ce papillon-là? Ouais, comme ça, il va être beau. As-tu pris des cours? Des cours de quoi? De bricot, Martine? Des cours de quoi? Si moi j'ai pris des cours, oh boy. Fait longtemps de barouette. Des cours de quoi? Fais juste me dire, puis si c'est des cours de bricot, oui, j'en ai déjà pris. Jadis. Ouais, bon, oui, j'en ai déjà pris. Mais c'est plus. Plus moi qui en donne maintenant. Mais plus là. Parce qu'on est comme. Confinés. Ah, oh, regarde, ça va bien, là, de même. Hein, ils sont belles, ces die-cuts-là. Oui, 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 j'en ai pris. Écoute, ça fait depuis 2006-2008 que je bricole. Fait que j'en ai pris en masse. YouTube aussi, il y a beaucoup de trucs. Ça l'aide. J'ai un chat qui est fâché. Bon, celui-là, je vais juste les ranger. Je pense que j'en ai mis en masse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon premier cours était avec Cindy, puis elle m'a spaché. Oups! Tu vois, si tu m'aimes d'amour depuis ce temps-là, Vicky. Ben non, c'est juste que quand vous venez à mes cours, faut qu'il y ait de. Faut que vous ayez des imperméables. Des bouchons dans les oreilles quand je suis trop énervée aussi. Hein. Ben non. Là, je range mes die-cuts. Je suis en train de réfléchir ce que je vais faire pour le reste, mais j'aime bien ce que ça fait. Mon petit titre, il est petit, mais c'est correct pour moi.
Je vais juste ranger parce que quand les chats s'enlignent dans les die-cuts, ça part de tous les sens. Fait que plus vite j'y range, plus vite ça va mieux. Puis durant ce temps-là, je réfléchis. Hey, vous le saviez, hein, que j'allais manger dans pas long. J'ai faim, je pense que je me digère l'estomac. Fait que tu sais, c'est quand même un fond très, très, très foncé que j'ai pris. Ça jure, hein? Mais on est capable, on va être capable d'aller atténuer ça un petit peu. Bon, ça, je me mets ça de côté. J'ai-tu le goût d'aller me rajouter un petit peu de fleurs, des vrais? Je sais pas, ça me prendrait des fleurs de Cynthia. Salut Geneviève! Ok, fiu! 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 Ben oui, des bouchons. Dans les oreilles! Hein. Là, hein, vous aimez ça parce que c'est moi, mais Christy, que je fais pas de lien, hein? Là, vous êtes en train de vous dire, hey, qu'elle ramasse pas son stock, c'était son stock de cette semaine. Ben oui, toute chose. Ça allait dans mon kit. Demain matin, j'aimerais ça faire d'autres kits. By the way, il me reste un kit jaune puis un kit bleu. Sinon, oh, tiens, j'aime bien ça de même. Voilà. Fait que là, après ça, je vais m'amuser à faire d'autres kits, mais je vais en faire pareil même s'ils ne sont pas vendus, là, inquiétez-vous pas. Je vais faire des kits mix média. Puis après ça, faire deux autres kits de page aussi. J'aime bien ça. Voilà. Je vais prendre mon crayon. Aïe, le chat vient de me ramasser la jambe. Oui, c'est vrai, Julie, je le sais, c'est juste qu'il est écrit Cynthia dessus, fait que là, mais oui, Julie est là-dedans aussi, hein, faut pas oublier. N'oublions pas Julie qui aide Cynthia. Donc ça, c'est un crayon craie que j'utilise pour barrer mon bord de photo. Mais c'est ça, je pense que j'ai même pas eu la chance de l'acheter. Il va falloir que j'aille acheter ça. Parce que là, j'encourage toutes les compagnies québécoises, mais je vous ai pas encore encouragé, hein? Les fleurs, oui. C'est quoi dans le nom? Les fleurs de les créations de Cynthia? Mais là, mets ton nom dessus, Julie. Mais ça va me faire plaisir. Vous m'enverrez le lien. Je vais vous acheter ça cette semaine-là. À ma paye un jour. Un jour, je vais être riche. Pensez-vous? Pensez-vous? Hey, savez-vous quoi? Ils sont en train de parler, là, les éducateurs. Les TES de mon école sont en train de parler sur un groupe. Je vois ça popper. Salut, Lys! Je vois ça popper, fait que là, il se passe de quoi dans le milieu scolaire, mais je peux pas vous le dire parce que je vois pas ce qu'ils disent. Puis là, je vois des sérieux, ah oh ben, fait qu'ils sont pas contents. Fait que d'après moi, on a des mauvaises nouvelles au niveau du monsieur ce qui va sortir. Ou peut-être c'est juste en rapport avec les postes de l'année prochaine. Donc, regardez, c'est mon petit affaire que je cache tout le temps. Oh! Regarde, Julie, t'avais raison. Ça a vraiment flashé. On peut pas les acheter. Oh, oui, les fleurs, attendez. Je change d'habillé. Dégueu. Je vais juste aller pitcher mon truc dans l'eau. Puis, je vous reviens. Voilà. Comment scraper? Ça va être beau, la bavure, ici, hein, trouvez-vous? Je l'ai enlevé. C'est beau, championne, hein? Merci d'avoir parlé des fleurs pour faire diversion. Je me ramasse durant ce temps-là.
Désolée du cri dans vos oreilles de mon gesso qui a revolé solide. Mon pot était mal fermé. Fait que voilà ce qui arrive avec Cindy quand elle fait des accidents. Non, le calendrier scolaire sont tous fâchés, mais... c'est correct, je viens de comprendre. C'est que en mettant, ils étaient... ils viennent de descendre les effectifs de soutien, dans le fond, dans les milieux d'urgence, puis avec raison, là, parce que on était deux pour rien. Fait que là, ils doivent être fâchés parce qu'ils étaient habitués d'être deux. Mais c'est correct. Bon, voilà, avec mon dégât... Hein, je vous ai fait un beau nettoyage. Chance, vous ne me voyez pas mon haut de linge. Salut Chantal! Ça fait longtemps, Chantal! Dans le fond, voilà, j'ai caché ma photo. On repart, OK? Je vais venir y mettre des gouttelettes. Mais je ne sais pas s'il est assez mélangé. Je pense que non. Je vais mettre mon bouchon comme du monde, puis je vais le... Oui, ça fait partie de mon charme, mais oui. Hein? En tout cas, on peut pas être plus authentique que se garocher un pot de gesso dessus. Il y en a encore partout. Écoute, l'envers du décor, une chance que vous voyez pas ça. Quand je fais pas ça dans ma table de cuisine, je serai en beau tabarouette. Hein? Superbe, superbe. Ouais. Ceux qui me connaissent moins en personne, là, ça fait partie de moi. Bon, voilà. Je vais mettre des petites gouttelettes de blanc. Parce qu'on se rappelle que quand on a un fond foncé, ben, il faut aller jouer avec ça. Là, j'ai peut-être un... On va prendre un couvercle de ma pâte parce que mon pot, il est... Bon, ça va aller mieux pour faire mes gouttelettes. Ça, c'est un mélange de gesso, puis... ouais, je sais que c'est moi. Écoute, ça peut pas être plus vrai quand je bricole. Ouais, c'est un mélange de gesso et eau. Là, j'ai juste mis ça dans le couvercle de ma pâte à texturer parce que ma bouteille, il en reste plus dans le fond. Puis là, je m'amuse à faire des gouttelettes. Puis... pourquoi je m'amuse à en mettre beaucoup? Parce que le fond est quand même foncé. Fait que ce qu'on veut, c'est éclaircir. Puis, s'amuser. Fait que là, je vais en mettre en masse. Puis après ça, je vais venir jouer avec une autre couleur. Puis après ça, je vais en remettre pour venir jouer avec l'éclaircissement, mais sans tout perdre non plus. Ça dépend aussi de votre gesso. Je vais m'en nettoyer un petit peu. Je vais aller voir mon gilet si c'est en train de déborder. Parce que mon gilet, il y en avait vraiment beaucoup. Voilà. Vive les dégâts! Je vous laisse 2 secondes. Je vais aller voir mon gilet, puis je reviens. Ça devrait être pas si pire, ça déborde pas. Oups! J'ai cassé un œuf ce midi, il est tombé par terre, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, je suis très gaffeuse, mais en live, c'est jamais plaisant. Puis tu sais, j'ai un gilet noir vieux, là, c'est pas grave, là, vous le voyez, là. C'est ça, je m'en fiche, là, que le fond soit plein de gesso. C'est lui par-dessus que j'avais parce qu'il fait froid dans mon atelier. Il fait plus froid, je suis au sol. Donc, c'était plus celui-là que je tenterais de rincer parce que le gesso, si on rince pas tout de suite, ben... Fini! Voyons, j'en garoche encore partout. Donc voilà, je vais sécher. Puis après ça, je vais choisir un peu quelle couleur je vais mettre. C'est sûr que ça va être dans les teintes de bleu. Je pense que je vais prendre mes sprays Lindy. Yes, merci de me soutenir dans mon gaffage. Je pense que je vais y aller avec un petit peu de brun puis un petit peu de bleu. Puis je vais y rajouter du blanc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, j'ai ce magnifique bleu-là qui va fitter. Il est peut-être pas assez foncé. J'ai comme pas le goût de mettre des poudres parce que je veux que ça soit... C'est drôle ça, il est bleu, mais regardez. Peut-être qu'il va sortir trop mauve. Sinon, j'ai lui qui va y ressembler. Bon, c'est bon. J'ai comme peur, lui, qui sort trop violet. On va aller me faire un test là-dessus. Ah! C'est pas si tant pire. Je fais des tests de couleurs. Se ressemblent les deux. Là, j'ai décidé de prendre mes Lindy puis de ne pas prendre mes poudres. C'était ça que je suis en train de dire parce que je veux vraiment des petites gouttelettes. Regardez, celui-là, il est trop bleu. Il est trop bleu, fait que je vais y aller avec un... Peut-être un petit vert. Trop... Mauve, ouais, mais il y en a un peu dedans. Tiens, voilà. J'ai mes trois couleurs, bleu, bleu mauve, puis bleu foncé. Puis après ça, on va remettre du blanc. Fait qu'on peut, on pourrait utiliser, ce sera pas long, je vais vous descendre la couleur. Excusez, au moins l'image, elle bug pas quand je fais ça. Tu sais, vous donnez mal au cœur. On peut utiliser en gouttelette de même. Ou on peut utiliser avec un pinceau. C'est vraiment ce que vous avez le goût. Celui-là, je vais y aller avec des petites gouttelettes. Il est quand même assez foncé. Après ça, je vais y aller avec le vert. Avec mon pinceau. Excusez, hein, entendez-vous trop l'eau qui coule? Parce que je veux comme pas perdre mon gelé vu qu'on est à la fin du live. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui est fâchée. Devinez c'est laquelle? Parce qu'elle a bien beau être belle, la belle Cassiopée, là. Hein? Tout qu'un méga caractère. Elle fit avec sa maîtresse. Salut Vicky, t'es revenue? T'étais partie? Voilà. Celle-là, je l'ai faite. Je vais sécher un petit peu avant de mettre le bleu. L'autre bleu, puis on va remettre du blanc. Puis le tour va être joué. Je vois plus si vous commentez, fait que j'ai comme l'impression que ça a refait le même bug. Peut-être que vous commentez pas. Ouais, mais c'est le fun de faire une autre couleur que d'hab. Ça m'a fait plaisir de m'amuser. Celle qui voulait du mauve, là, lui, il est un petit peu plus foncé dans le mauve. Ouh! On en a mis pas mal. Celle qui... Attends, si j'ai un pinceau dans la bouche, ça parle mal. Hein? Celle qui disait, « Hey, tu mets pas de gesso avant. » Non. Ça fait bien le job. Je l'étends, puis ça paraît pas trop. Ça gondolera pas trop. Puis je mets même de l'eau. Je suis pas ce maloque, hein? Voilà. Tu sais où j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup? Ici. J'aime bien l'effet diffus de l'eau. Tranquille. OK, vous êtes là, Fio! Vous êtes bien tranquille. Hey, c'est des gouttelettes, hein? C'est sûr que j'ai fait un effet spectaculaire tout à l'heure. En garochant tout plein de patentes.
Là, je m'amuse avec l'esprit Lindy, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre marque. Hein? Je vais laisser sécher un petit peu. On va aller rajouter un petit peu de blanc. Il n'y a pas de bouchon. En tout cas, pour toutes celles qui voulaient un fond foncé, vous êtes servies à motif. Écoute, je me suis donné, là. J'ai pris en note ce que vous voulez, les sortes de pâtes. Écoute, moi, j'espère que le confinement va continuer parce que j'ai plus de temps. Parce que c'est sûr que, mec, j'aille de la masseau, il va y avoir quand même des soirs, mais je pourrais peut-être pas en faire autant des lives. Mais je pense bien que oui, pareil, je vais être capable d'en faire au moins un ou deux par semaine, peut-être pas trois. Au moins un. J'essaie que ça soit mon défi. C'est quand même pas si pire. Un. Merci, Julie. J'ai pas fini, par exemple. Bon, voilà. Donc, je viens rajouter un petit peu de gouttelettes blanc. Moi qui pensais qu'après mon live, mon souper serait prêt, mais monsieur game, fait que je pense que mes bavettes seront pas prêtes. Hein? Je fais ma petite baveuse. Pour mes bavettes. Voilà. On aurait pu rajouter des petites... Attendez, regardez, je vais faire un autre dégauche. Oh non, je suis pas si pire. On aurait pu rajouter des petits dots, des petits enamel dots. Je pense que j'en ai pas des proches. On aurait pu aussi... Je vais juste nettoyer ça. On va enlever le petit truc. Ah ouais, pas avant le 31 mai, c'est dit ça? Parce que nous, à l'école, là, ce qu'ils disaient, là, c'est que ça allait s'enligner plus vite qu'on pensait. Mais tu sais, c'est-tu des suppositions? Est-ce que ça fait beau? Moi, je trouve ça beau. Un petit bleu marin, quelques die-cuts, puis regardez, j'ai mélangé plein de compagnies. J'ai mélangé plein de chipboard. En tout cas, me suis amusée. Bonjour, Bette! Donc, c'est ça. Fait que voilà ma petite page sur fond foncé. Le stencil, on le voit. Faut s'approcher, mais tu sais, ça vient faire un autre jeu, là. Il est vraiment beau, ce stencil-là. Voilà. Puis, les sprays, c'est toujours plaisant. En Ontario, sort tes nouveau. La dernière fois, j'ai dit sorti, ça fait longtemps. Je attendez, ils sont pas loin. Miaou, miaou, miaou. Je vais vous trouver ça d'abord. Ils ont peut-être pas la couleur que je cherche, par exemple. Ils ont mélangé les deux. Ça fait tellement longtemps que je les ai pris. Écoutez, puis tu sais, là, le truc, là, celui-là va fitter, je pense. Le truc, c'est de pas réfléchir. C'est bon longtemps, les nouveaux? Ouais. C'est ça, hein? Ça va faire comme l'autre fois, je vais en garocher partout. Je suis bonne là-dedans. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Ça se peut que ça rouvre pas tout de suite, effectivement. Mais là, il y a comme une autre petite vague, hein, de cas, fait que... Ouais, je vais essayer le bleu, là, mais sinon, on laisse faire les nouveaux. Ils sont bouchés! Oups, excusez, c'est moi qui miaule. Mais là, t'es un bébé chat, là, c'est vrai, Martine. Bon, regardez. Là, je brise tout. Je m'éclabousse du gesso. Bon, alors à la maison, là, si vous vous demandez les nouveaux, faudrait que je sorte les couleurs d'avance et que je m'amuse à toutes les défaire. Fait que, bref, j'en ai, mais ils sont toutes séchées. Ils ne sont pas sèches à l'intérieur. C'est l'embout qu'il faut que j'enlève. Fait que j'en mettrai pas pour aujourd'hui. Malheureusement, à moins d'en avoir d'autres déjà faites. J'ai ça. J'ai ça qui ferait beau.
c'est pas les nouveaux. Mais bon. Je vais en mettre un petit peu. Mais c'est toujours bouché, puis... c'est toujours bouché, puis dans le fond, après, quand on a besoin, fait que là, ça me fâche un peu. Mais bon, je suis pas fâchée longtemps dans la vie. Voilà, quelques petits... J'ai pas mis de blanc, mais ça fait un job. Bon, voilà. Sur une page, le Nico, pas dans la bouteille. Hein? Le nouveau? Ah, le... ouais, pas dans la bouteille, je comprenais pas. Normalement, une heure à deux heures, toutes les animal dots qu'on utilise, là. Mais pour être sûr, vous pouvez y aller avec deux heures. Fait que voilà, je vais vous montrer c'est quoi le prochain prix. Pour le live qui va sûrement être mardi ou jeudi prochain. Je vais vous demander l'heure que vous aimez mieux dans, en question. Pas pas long, je suis mêlée. Je trouvais pas c'était où. Bon. Fait que là, voilà. Ça va être un... Oh, c'est un vieux... c'est les vieux prix. Je vous rappelle, j'ai oublié de regarder de l'anglais. Bon. Des petits frames, comme ça. Un petit chipboard Broadway. Broadway, puis Encore What? Voilà, qui est à faire tirer. C'est ça, mon prochain. Celle de Fabrica, c'est 2 heures maximum, mais c'est 1 heure, c'est sec, là, d'habitude. C'est ça. Ça va être mon prochain prix. Il y en a plus de... Dans mon truc, il y en a plus de chipboard Scrapifix, fait que vous allez avoir d'autres cadeaux. Puis moi, j'ai passé une commande pour plein d'autres affaires pour ma boutique dans Fabrica Décoru, fait que c'est génial. Fait qu'un gros merci d'être venu pour voir ma page. Ça m'a fait plaisir de passer mon dimanche soir avec vous en faisant des dégâts. Qui a gagné aujourd'hui? C'était Alexandra Caron. Donc, un gros merci les filles. Je vais vous remettre la vidéo à l'endroit tantôt. Tantôt, cette nuit, là. Fait que peut-être qu'il va apparaître demain seulement. Je vais aller faire ça tantôt. Salut Maryse, t'arrives à la fin, désolée. Donc, un gros merci gang, puis on se revoit mardi d'après moi, mardi et jeudi. Bye bye!